Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors en fait, je vais vous présenter, je suis toujours en train de préparer l'anniversaire de mon fils, donc nous sommes le 17 août, la petite fête aura lieu le 27, donc du coup cette vidéo sera publiée après, parce que j'ai pas trop envie qu'il tombe dessus. Alors je voulais vous présenter un petit peu mes idées déco, donc je vous rappelle que cet anniversaire est sur le thème du cinéma, et donc ben, je me suis amusée à imprimer pratiquement 300 photos. Et pour décorer la salle, donc j'ai décidé de faire un peu des bobines. Alors, je vais essayer de tenir. Voilà, parce qu'en fait, ça se présente comme ceci. Et je vais accrocher ça sur un mur blanc. Donc du coup, je mets une petite feuille pour que vous rendiez bien compte de l'effet bobine. Voilà que cela peut faire. Alors, étant donné que c'est le thème cinéma, j'ai choisi donc pour chaque page une affiche. Donc ici, ça va être les visiteurs. Et comme nous habitons dans une ville avec un château, donc j'ai collé un petit peu des photos en thématique avec les visiteurs, avec tout ce qui était un petit peu médiéval. Voilà, donc ici, je vous en présente d'autres pour avoir quelques idées. Allô maman, ici bébé, donc des photos de mon petit Loupio quand il était tout petit. Ici, donc là en Haïti, et puis donc je l'ai présenté à chaque fois quand il était en vélo. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai The Artist, j'ai les gendarmes à Saint-Tropez, j'ai les fous du stade parce que voilà, il fait du sport. Voilà, j'ai fait aussi alors des affiches un petit peu plus longues, donc celle-ci notamment de Star Wars. Donc là, vous voyez par exemple, on ne voit pas bien, je vais essayer de passer le blanc, hop, comme ceci, c'est en direct, j'ai qu'une main, on va essayer de faire ça. Voilà, donc j'en ai collé une sur l'autre, donc ce sont les blocs, je vous fais voir, de chez Action. Voilà, donc les pages noires, et donc je les ai collées l'une sur l'autre. Tout simplement, et comme ça on a cet effet bobine. Là ici je vais marquer un petit mot, Dorian fait son cinéma ou quelque chose comme ça. Et voilà, et donc j'ai préparé d'autres petites affiches sur ce thème là, donc un air de famille pour regrouper la photo des cousins, retour vers le futur quand il était plus jeune, là on a du Top Gun, qu'est-ce que j'ai fait, Indiana Jones, les aventuriers, un petit peu toutes ces aventures. Enfin vous voyez qu'on peut trouver vraiment une très bonne thématique avec le cinéma. Là franchement j'ai pas manqué d'idées pour les affiches. Alors, juste pour vous présenter, alors comment j'ai fait ces bobines? Alors, je vais reprendre ma petite feuille. Ici, c'est vraiment très très simple. En fait, j'ai une perforatrice qui fait les carrés. Donc, je ne me suis pas embêtée. Je suis venue caler bien au fond. Je vais y arriver. Alors, je fais ça sur un papier polycope pour ne pas gaspiller une feuille noire. Voilà, je suis venue faire comme ceci. Et donc, pour prendre les mesures, je suis venue avec le bord de ma perforatrice venir le long du carré. Hop, et j'ai fait ça. Alors, sachant que là, c'est de la rigolade parce que le papier est très fin. Mais vous voyez, du coup, on obtient facilement un effet bobine. Voilà. Donc, ensuite. Donc, ça, c'était la première idée. Et surtout, la deuxième idée, bah, c'est que ces affiches, en fait, je vais les récupérer. Je vais faire une reliure en U avec du papier blanc. Et donc, je viendrai lui faire un album de format A4. Comme ça, il pourra conserver sa déco d'anniversaire. Voilà. Pour les plus grandes, bah, je reviendrai couper. Je me suis arrangée pour rien coller sur la reliure, et donc là il me manquera un tout petit morceau, mais comme je vais coller recto verso, il n'y aura pas de souci, ou un masking tape, et voilà. Et comme ça, il pourra même garder en souvenir, donc d'une, ses 300 photos, et surtout la déco de son anniversaire. Voilà, autre petite idée, donc ça ce sont mes petits centres de table, donc pareil, toujours effet bobine, voilà, et puis dessus, bah forcément la petite étoile d'Hollywood, et la photo de mon fils le jour de ses 18 ans. Alors là c'est pareil, j'avais trouvé la photo sur internet, mais la petite réalisation, donc c'est moi qui a inventé un petit système. Donc j'ai fait des découpes comme celle-ci. Alors après ça dépendra de la taille de vos bobines. Chez Action on avait fait, c'était un petit peu plus large. J'avais celles-ci qui vont très très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça je suis venue le coller sur une feuille blanche. Voilà, j'en ai mis trois à la queue leu-leu comme ceci. Et ensuite je suis venue découper là. Voilà, ensuite j'ai arrondi comme ceci, j'ai collé et ça je l'ai fait prendre entre deux disques noirs de la même taille. Voilà. Alors juste une petite remarque, parce que comme j'en avais beaucoup à faire, moi j'en ai plus d'une vingtaine, j'ai voulu coller ça sur du papier à photocopie. Honnêtement c'est trop léger, avec un papier un petit peu avec un plus gros grammage, je pense que ça aurait peut-être tenu un petit peu mieux. Là vous voyez, on a quelques petits plis, mais bon, sachant que ce sera posé à plat, voilà, sur ma table, ça va servir de petit centre de table et éventuellement de souvenir, voilà, si certains veulent les emmener, comme ça ils auront une petite photo souvenir. Et voilà, hein.
Eh bien, écoutez, cette petite vidéo de présentation est terminée. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.